Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Resident Evil Révélation 2 pour le mode commando. Donc, petit résumé par rapport au Titan. En fait, donc le 6, il restait vraiment encore les deux Titans, hein, ce qui veut dire qu'il y avait encore notre affligé et notre chien. Et là, cette fois-ci, en fait, il ne reste plus que le chien. Donc, on est le 7, hein, n'oubliez pas les missions du 7. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Oh là. Ah oui, jolie balle loupée, dis donc. Donc ça va plutôt pas trop mal, on va dire, dans notre invasion des Titans. Et sur console, c'est à peu près la même chose, hein. On n'est pas très très loin, en fait. J'avais regardé sur la Xbox One, ils ont pas un grand avantage, ça va encore. L'avantage, c'est qu'ils ont surtout beaucoup moins de points de vie pour les ennemis. Tant pis, fusil à pompe, hein. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein. Faut faire attention. On va se calmer, hein. Celle-ci, je vous avoue que je l'aime plus trop quand on arrive à des niveaux assez élevés. On va le rush au fusil à pompe. Là, je pense qu'on pourrait être 80, oui. C'est pas trop mal, 80. Oh là là. Salaud. Il ne veut pas tomber à terre, lui. C'est pas grave, tu veux pas tomber, je vais te tuer. Je l'ai pas payé. Allez, hop, une petite balle dans la tête. On n'en parle plus. Il est où, lui? Oh, quel chiasse. Je l'aime pas. Il est petit. Il est rapide. Oh là, belle balle loupée. Pas la grande forme aujourd'hui à l'heure, dis donc. Oh non, là, c'est vraiment abusé, hein. Là, il y a des balles, je devrais pas les rater comme ça, quoi. C'est un peu abusé. Hop là. On va retrouver les affligés là. Tu voulais me cogner, toi? Je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Non, non. Oh, oh. Derrière. Oh, scheisse. C'est un Mielda. Bon, c'est pas encore très grave s'il tape un peu dessus. Mais qu'un peu. Exagère pas non plus. J'ai fait ça parce que sinon le temps de recharge ça aurait été plus long. Bon, là, on va peut-être reprendre un petit peu le niveau quand même. Lui, la balle dans la tête, ça marche pas très bien. Faut pas la louper. Ah, dommage. Oh. Tant pis. On n'a plus trop le temps, là. Faut se méfier. Oh, non. Pourquoi tu cours, toi? Oh, le salaud. Ok, c'est parti. On va tuer le dernier.
est fini. Maintenant. Je croyais que la balle aurait suffi, mais non. Est-ce qu'on est niveau 80? Honnêtement, j'espère que ça, on sera tranquille. Ça sera une bonne chose de faite. Ouais, alors on est facilement 80, ça va. Ça le fait. Par contre, on va pas beaucoup progresser au niveau des niveaux pour les suivants, quoi. Mais c'est pas grave. L'important, c'est déjà d'avoir fait la plus grosse partie du jeu. Ce qui veut dire déjà être niveau 80, c'est déjà énorme. Ce qui sera encore plus énorme, c'est si on finit en moins de 2 semaines d'être niveau 100. C'est possible. Mais je pense que on sera sur 2 semaines de plus, là. Ouais. Jill Valentine, où es-tu? Comme quoi qu'il y a des personnages qui montent quand même au niveau de leur niveau, hein. C'est très très bien. Alors, c'est pas un niveau très élevé, alors j'hésite, parce que... Non, je préfère avoir de la cadence. Et là, on est niveau 16, donc il faut quand même ça prendre un autre fusil de précision. Ouais, celui-ci. Ça me dérange pas trop encore d'avoir des armes plutôt lentes, mais... Faudrait pas que ce soit un défaut pour nous. Donc on attendra niveau 18, on va pas forcément acheter le fumigène. C'est parti. Allez, ma petite Jill, on est parti. Let's go. Niveau 16, donc il y a de grandes chances. Alors, elle est pas totalement reposée. Niveau 18, peut-être 19. Ah. La mission que je ne porte pas forcément dans mon cœur, que de... L'invisibilité, et pas que, hein, bien évidemment, vous savez très bien. Là, si je touche, on va toucher 2. J'ai toujours gardé son sang-froid dans cette mission-ci. Même si ça a été très compliqué, il me semble que c'était avec Gabe d'ailleurs qu'on avait eu le tronçonneur à battre avec le fusil à pompe. Bon, ça s'était quand même bien passé, malgré que c'était très très long, hein. Quand même. Allez, c'est parti. En parlant de lui. Here. Ah ouais, non, mais là... Attends, j'étais pas prêt. Ah ouais, mais non. Faut pas commencer à merder au niveau des munitions et surtout le déplacement. C'est le déplacement qu'il faut se méfier. Je sais pas où il est. Magnum, très très bien pour lui. Les autres, ils doivent être derrière, donc on va pas s'embêter. Là, il y a moyen de le tuer. Voilà, très bien. En fait, si on voudrait, on pourrait déjà le terminer. Hein. Dès qu'on bat, en fait, le tronçonneur, on a fini la mission. Hein. Mais bon. Le mieux, c'est de quand même gagner le plus d'expérience possible en tuant aussi nos ennemis. Ce serait mieux. Après, je sais pas si ça donne vraiment plus d'expérience si on finit véritablement la mission. C'est pas très grave en soi. Quoi qu'on peut les faire très vite, hein, vous avez vu. Dès qu'on attaque le tronçonneur, on peut déjà quitter la mission, quoi. C'est abusé, je trouve. Parce que là, ça a été vachement rapide. Donc, quoi que le magnum... efficace.
Je crois que normalement il y en a un autre ici. Ah voilà, c'est ça. Ok. Il va pas pouvoir nous embêter bien longtemps. Mais. Ah. Méfions-nous, méfions-nous quand même. Ah mince. Tout à fait, oui. C'est ce coup-là qui est plus long, qui est plus chiant. Mais là, il est très lent, hein. D'une lenteur inégalée. Mais il faut faire attention parce que des fois, tout ce qui peut être plus lent peut être plus traître, peut bien vous faire mal. Donc, ne pas sous-estimer vos ennemis. Malgré leur lenteur. C'est bon. On y arrive presque. Là. Oh, les salauds. C'est pas tranquille, je vais le tuer au corps à corps. Ah, d'accord, il était à terre. C'est aucun. Et boum. Et boum. Je l'ai vu, il était là-bas. Il va être face à moi ici. Derrière moi? Ah ouais, derrière. D'accord. Bon, là, il va être. Non, il va être ici. Et dans mon dos, le dernier. Et voilà, c'est parfait. C'est fini. Donc il y a eu 3 minutes supplémentaires par rapport aux autres ennemis à tuer. Ça va encore. Hein. Fini. Après bon, c'est vrai qu'on a commencé le 31 janvier. Donc ça voudrait dire qu'à peu près vers mi-mars, enfin on va compter plus le 20 mars, il y a de grandes chances qu'on ait un personnage niveau 100. Donc ça fait quand même pas mal de jours. Hein. À peu près 2 mois pour faire un personnage au niveau 100. En comptant que, bien évidemment, il y a des autres personnages entre deux qui se mettent dans les missions du jour. Si on aurait, à mon avis, toutes les missions du jour, par exemple, 2 fois Claire pendant toute une longue durée, on aurait déjà largement le niveau 100. Hein. C'est même sûr et certain. Le niveau 100 aurait déjà été fait depuis très très longtemps. On va juste regarder comme ça les armes. Là, un fusil antimatériel, hein, quasiment 40 000. Et le nôtre, il faisait combien? Juste regarder. Ouais, il fait 10 000 de plus quand même. Hein. Donc, il fera à peu près du 50 000 au niveau 100. Alors moi, c'est bien de le savoir. Bah les amis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. On se retrouvera donc pour de prochaines aventures sur Resident Evil Révélation 2. Je vous dis donc à très bientôt les amis. Et salut à tous!